Saviez-vous que l'Iliade accueille un formidable lieu de vulgarisation de la recherche? Xperium, c'est la vitrine de la recherche à l'Université de Lille. Depuis 2014, ce lieu permet à tout visiteur de mieux s'approprier cette recherche. Pour sa quatrième saison, Xperium innove avec Kaleidoscope le jeu. On a voulu créer cette saison 4 d'Xperium autrement, avec accompagnement design, en tant que proof of concept dans le cadre de la capitale mondiale du design. L'équipe s'est associée les compétences d'une designer. L'idée était de démontrer qu'avec cet accompagnement, on crée différemment les projets et on obtient d'autres résultats. Elle nous a obligés à être plus centrés usagers encore qu'on ne l'est d'habitude. Elle a mobilisé notre créativité. On a réussi, en un temps extrêmement contraint aussi, à faire émerger ce nouveau dispositif. Un dispositif original qui enrichit l'exposition d'un jeu interactif qui nous entraîne sur les traces de Kevin. Kevin, c'est un étudiant normal qui a été, on ne sait pas pourquoi, accusé d'espionnage industriel. Tous les habitants de la ville qui s'appelle Kaleidopolis ont décidé de se rassembler et de prouver son innocence. Le visiteur va incarner un des habitants de la ville qui a décidé de rejoindre le collectif de défense de Kevin, le CDK. Le jeu va l'amener à visiter différents lieux de la ville pour chercher des preuves de son innocence. Une intrigue, une enquête, un mystère à résoudre. Kaleidoscope, le jeu, permet de découvrir Xperium autrement. Une invitation à explorer la richesse de la recherche de l'université, ouverte aux groupes scolaires, mais aussi à partager en famille ou entre amis. Une invitation à ce petit pas de côté, à vivre autre chose. On allie le jeu et la découverte de ce qui se passe dans les laboratoires, de ce qui fait la recherche, de manière accessible, avec une touche de ludique et d'humour. Ah bah, il faut sauver Kevin. Ça, c'est obligatoire. Une expérience à découvrir à l'Iliade, du lundi au vendredi, de midi à 14h.